Salut amis de YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Passim doit rentrer dans un harem, mais on ne peut y rentrer comme cela, et découvrir une potion magique. Donc je vous laisse découvrir cela, et moi je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. Bon visionnage! On dit que les seuls hommes à entrer dans le harem sont les eunuques, et le calife lui-même. N'étant ni calife, ni eunuque, cela risque d'être amusant. Son influence décroît. Elle compte chaque jour moins d'alliés. Kabiha est une femme importante, Farah. Elle l'a été, du vivant d'Al-Mutawakil. Mais son fils ne lui a pas succédé. Et son temps est à présent révolu. Quand la marée s'en vient, voudrais-tu que le reflux t'emmène au large ? Nasrin, je n'aime pas prendre part à la politique. Je t'en prie, nous te connaissons bien. Oh, assez ! Les nouveaux eunuques vont arriver d'un instant à l'autre. Attends-les à la porte, Makira, et fais en sorte que tout se passe bien. Viens, Nasrin. De nouveaux serviteurs? Cela veut dire de nouveaux visages au harem. Avec un uniforme d'eunuque, je pourrais me mêler à eux. Examine les lieux. Un uniforme d'eunuque tout juste taillé. Parfait. Combien de temps cela va-t-il durer? Je vais être... Tout cela m'a l'air parfait. Un peu serré à la poitrine. Et plus bas. Espérons que ça va marcher.
Bamahal, je te connais? Ça m'étonnerait, c'est mon premier jour. Je n'ai pas envie d'être en retard. Makira, assalamu alaikum. Tu le connais, Makira? Je... Quoi? Ne me dis pas que tu ne me reconnais pas. Non, non, je... Désolée, cela fait longtemps et... Oh, ce n'est rien, ma belle. Mon visage se laisse facilement oublier. Contrairement au tien. Farah m'attend. Et de toi à moi, elle me terrifie. Je ne veux pas me présenter à elle en retard. Laisse-le passer, Abbas. Barakallah fiki, ya Sayyidati. Mais qu'est-ce que tu fais? Makira, je ne faisais que... Que t'inviter dans le bureau de Kabira. Tu n'es pas un eunuque. Alors pars maintenant ou je préviens Nasrin et je préviens Farah. Et pour leur dire quoi? Que tu m'as laissé entrer? Je doute qu'elle soit ravie de l'apprendre. Tu es une kahramana, non? Tu es là pour servir les besoins des concubines. Mais toi, depuis quand quelqu'un ne t'a pas demandé de quoi tu avais besoin? Quelqu'un qui ne te jugerait pas? Quelqu'un dont tu pourrais oublier la présence? Il doit bien y avoir quelque chose dont tu aurais besoin, Makira. Ou envie? Il y a quelque chose. Abbas, à la porte, il... Il n'a Dieu que pour Farah, l'oum walad. Il ne me regarde pas. Mais Farah utilise un phare pour s'agrandir les yeux et... Et si je pouvais en avoir aussi, je pense qu'il pourrait... N'en dis pas plus. Je suis à ton service. Où vais-je le trouver, ce phare? Dans les réserves. Mais nul n'a le droit d'y entrer en dehors de Nasrin. Farah lui accorde toute sa confiance, même pour sa potion magique. Farah a une potion magique? C'est Nasrin qui la transporte, et elle lui dit quand elle en veut. Elle lui donne une haleine horrible. Mais je donnerais n'importe quoi pour y goûter. Et tu y goûteras, ma belle. Mais en échange, Makira, que vas-tu me donner, à moi? La clé de ce bureau, là. Phare pour les yeux et potion magique. Tes désirs sont des ordres. Phare pour les yeux et potion magique. Vraiment? Alors, quelle est cette potion magique? Ah, je vois. De l'alcool. Plus grands yeux amélioreraient mon déguisement. Non, non, sois sérieux, Massine. Il te faut cette clé. J'ai le phare et la potion. Autour de la clé, maintenant. Et voilà. Oh, merci.
Les autres disent que je suis trop jeune pour les phares et les potions, mais assez vieille pour savoir à quoi ils servent. Ils ont raison. Alors, cette clé? Et puis, si elles en savent plus que moi, c'est parce qu'elles ont toutes lu « Le jardin et ses mystères ». Ce livre parle de la vie, du corps et de ses secrets. Il est très sulfureux. Tu l'as lu? Non. Farah le garde dans les appartements du calife, sur le toit. Il est interdit d'y entrer. Makira, nous avions un accord. S'il te plaît, si tu pouvais aller déposer ce livre dans ma chambre, elle est au coin est, sur la gauche. D'accord. Mais ensuite, la clé, hein? Phare, potion et maintenant des livres grivois. Je suis là pour jouer les serviteurs, pas en devenir un. Personne ne passera. Hein? N'approche pas de ça. Ça ne me dit rien de bon. Il y a sûrement un autre moyen d'entrer. Grivois, je suis là pour jouer les serviteurs, pas en devenir un.
Dis-moi, toi, es-tu perdu? Tu n'as pas le droit d'être ici. Qu'est-ce qui se passe? Attends! Bah, il se passe quelque chose? Je vais réduire tes os en poussière. Ça lâche. Reviens et meurs avec honneur. Qu'est-ce que c'était? Là-bas. Non, la cloche est cassée. N'arrête pas. Je vais trouver le coup de serpent. Carreau. Des appartements dignes d'un calife. Le jardin et ses mystères. Un titre sans grand intérêt. J'imagine que c'était l'idée, justement. Tu as vécu assez longtemps. Ne reste pas! Je reviens et meurs avec honneur!
échappera. Pauvre avorton. Ma parole, l'ambition d'Abu Abdallah est sans limite. Mais Farah, il ne croit quand même plus pouvoir s'emparer du trône. Tu connais pourtant sa mère. Voilà. Bonne lecture. Espérons qu'elle ne va pas m'inventer d'autres tâches. Je crains d'avoir créé un monstre. Le livre est dans ta chambre. Maintenant... Alors ? Mes yeux sont plus grands ? Beaucoup plus, oui. Makira, il me faut cette clé. Cette potion est... Elle donne confiance ! Je pourrais affronter le monde entier. Oui, oui, je connais bien cette potion. Nous avions un marché, Makira. Donne-moi la clé. Maintenant. Attends. Il faut aller rendre la potion à Nasrin. Si Farah découvre qu'elle a disparu, elle sera furieuse. Ensuite, tu auras la clé, promis. Bien. En attendant, va boire un peu d'eau si tu veux bien. C'est la dernière fois, Basim. Ça suffit comme ça. Prends ta place, toi. La potion a été remise en place. Tout est en ordre. Maintenant, je vais obtenir la clé de Makira, même si je dois la lui arracher des mains. Voilà. J'ai tout fait. Merci. C'est drôle, j'ai un peu mal à la tête. Et maintenant ? Maintenant, tu me donnes la clé. Oh, oui. Quoi, tu ne l'as pas? Tu as peur de Kabiha? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non! Son étoile est tombée, tout le monde le dit. C'est juste que... je m'amusais, c'est tout. La voilà. Enfin! Je vais pouvoir trouver mes réponses. Je me souviens de ce parfum.
Je l'ai senti au bazar. Et peut-être au harem. Mais sur qui ? Une épingle à cheveux. Celle de Ning. Quand Kabeha se l'est-elle procurée ? Un recueil de poèmes d'Arib, signé. L'océan, le désert, le cobra et la colombe. Une carte du califat. Et d'Alamout. Malgré son apparat, la pièce est vide. Il a l'air d'y manquer des choses. À commencer par Kabeha. Que s'est-il passé ? Farah a été empoisonné ! Quelque chose dans sa boisson. J'ai vu Nasri. Qu'est-ce que c'est ? Que lui as-tu donné ? Elle en buvait tout le temps. Elle m'a demandé de la lui donner. C'est inoffensif. Ça, inoffensif, Nasrin ? Tu ferais mieux de partir. Donne-moi la clé. Que lui est-il arrivé ? Moi. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser seule avec cette fiole. Je vais fouiller les chambres. Toi, avec moi. Je n'y suis pour rien. Je ne lui ai fait aucun mal. Qu'est-ce que tu as fait ? Détends-toi, personne ne nous regarde. Ils seront bien trop occupés quand ils trouveront le livre chez Nasrin. Chez Nasrin ? Le jardin et ses mystères n'a rien de grivois. C'est un traité sur les plantes, leurs propriétés médicinales, toxiques, cosmétiques. La belladone, le bouton noir. À faible dose, elle permet d'embellir les yeux. Dommage que j'ai dû tout lui donner. Quoi ? Tu les as vus ? Farah et Nasrin, verser du poison dans l'oreille de tout le monde, répandre rumeurs et mensonges au sujet de ma maîtresse. Kabeha. L'une morte, l'autre en disgrâce. On n'entendra plus parler d'elle. Yassi Allah, qui es-tu ? Une servante loyale. En l'absence de Kabeha, je la protège de celles qui veulent la remplacer. Son bureau est vide. Elle t'a abandonné, Makira. Tu sers une maîtresse sans foi et ingrate. Elle reviendra du palais lorsque le danger aura disparu. Tu n'aurais vraiment pas dû me dire ça. Cela ne changera rien. Tu ne la trouveras pas. Et puis, ne fais rien d'inconsidéré. Il y a des enfants ici. Bel uniforme, au fait. Taillé pour toi. J'ai vu Nasrin la nuit. Je ne peux rien pour Farah. Et si c'est Kabeha qui dirige l'ordre, je peux faire quelque chose pour protéger ses futures victimes. Et me voici à la fin de cette vidéo. J'ajoute quelques points de compétences que je n'avais pas encore dépensés. Donc on peut voir qu'il ne faut pas faire confiance à toute personne dans le jeu qui nous mène par le bout du nez pour arriver à ses fins. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire si vous le désirez, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. À très vite pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis... A plus !